Bonsoir à tous. Eh oui, petite surprise. Aujourd'hui, j'avais un sujet qui me tenait à cœur à traiter avec vous, à vous expliquer. Et donc, voilà, je suis là. Peut-être attendre un petit peu que... voir si... il y a des personnes qui veulent participer. Coucou Anthony, j'espère que tu vas bien, que les choses vont mieux pour toi, que tes soucis s'arrangent. Bonsoir. Oh, bah alors, il n'y en a qu'un. Ah, deux. Je ne fais que ça depuis le temps que je fais des vidéos. Deux. Deux personnes qui regardent. Bah, vous êtes tous les autres. Allez, un peu de courage. Venez me retrouver. J'ai besoin de vous. Ça va un peu mieux. Oh, bah, c'est bien. Les choses s'arrangent, tu sais, petit à petit. Ouais, toujours des gros soucis. Bah oui, tu sais, un petit peu comme tout le monde en ce moment, je crois. Hein. On n'est pas gâtés hein, par la vie là, en ce moment. On a tous des ennuis longs comme le bras. Après, il faut juste trouver la solution. Il y a toujours une solution. Faut essayer de garder le moral et puis de faire ce qu'il faut comme il faut. Alors, j'en ai pas plus que ça. Je pensais que le sujet allait vous intéresser. La spiritualité, c'est intéressant. Surtout que j'ai des choses, d'autres choses à vous dire en plus. Il fait, bon, remarque, c'est l'été, il fait beau. Les gens sont en vacances ou au bord de la piscine. Rien à faire de mon live en fait. Vous regarderez plus tard. D'accord, on va faire comme ça. Donc, eh ben, je vais commencer, hein, parce que je ne vais pas y passer la soirée non plus. Donc, je vais commencer. Je voulais donc vous parler de la spiritualité. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, ce qui se passe actuellement, c'est que la spiritualité... ça tourne un petit peu à une religion parce que c'est simple. Peut-être pas les grands spirituels, mais certaines personnes qui sont dans la spiritualité actuellement pensent, sont persuadées qu'il va y avoir un Messie, un Jésus, un Dieu, quelque chose pour nous sauver, pour nous enlever de ce pas. Ben non, pas vraiment. Bonjour Jérémy. Eh ben non, pas vraiment. En fait, excusez-moi, mais alors c'est rempli de moustiques ici, c'est une horreur. Mais enfin, je suis tranquille. En direct. Oui Jérémy, en direct. Tu vas pouvoir dire ce que tu veux par rapport à ce que je veux dire. Donc, je disais donc que les gens attendent à ce qu'il y ait un sauveur qui vienne nous voir et qui nous sauve de tout. Qui sauve la planète, qui sauve les âmes, qui fasse un tri entre les bons et les méchants. Bref, hello, hello. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Réfléchissez bien. Nous sommes les souverains de notre royaume. D'accord? Nous avons en nous, la source nous a donné, nous a fait cadeau de l'étincelle divine, qui fait partie de la source, l'étincelle divine que l'on a. Jusqu'à là, on est d'accord. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y aurait quelqu'un de l'extérieur qui viendrait nous sauver
alors que nous l'avons déjà en nous. C'est pas de l'extérieur qui va venir, c'est de l'intérieur de nous. D'où le fait que c'est à nous de changer si on veut que cette étincelle divine rayonne et change le reste du monde. Parce que y a pas mal de gens qui s'éveillent actuellement et qui sont un petit peu perdus parce que bon, s'ils ont tout oublié depuis la naissance, forcément, ils sont perdus. Donc, à savoir déjà que notre âme est dans notre cœur et que notre cœur sacré est l'étincelle divine de la source, enfin vous l'appelez la source, le créateur, peu importe, c'est la même personne, c'est Dieu, voilà. Moi je l'appelle Dieu ou la source, peu importe. Et c'est à l'intérieur, il est dans votre cœur, il est à vous. Quand vous réalisez ça, quand vous réalisez ça, que c'est de vous que ça doit sortir et non pas de l'extérieur, ben vous avez fait un grand pas en avant au niveau de l'éveil. Vous avez quand même grimpé une marche parce que vous n'attendez plus rien. Jérémy, ce sont des passages de conscience. Tu veux dire quoi par là? Je comprends pas bien. Moi, étant donné que je suis en train de le vivre, donc je le partage avec vous actuellement. Beaucoup de choses changent et changent. En ce moment, c'est un petit peu avec les vibrations, le taux vibratoire de la Terre qui augmente et qui nous fait tous monter. On est tous plus ou moins chamboulés. On ne sait plus où est le nord, le sud, l'est, l'ouest. Tout est perdu, tout est parti en cacahuète. Donc, on ne peut plus se fier qu'à nous, à notre cœur. Et se dire que c'est nous qui devons faire le premier pas, c'est nous qui devons faire en sorte de faire changer les choses. Parce que nous avons la possibilité, la capacité de le faire, nous tous ensemble. N'attendez pas que le voisin se transforme en Messie tout de suite et qu'il va venir. On n'a pas besoin de Messie. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Coucou Christelle. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Notre cœur. On a l'amour. On est des êtres humains avec une étincelle divine. Voilà. Le principal est là. On est des êtres humains, d'accord? On a un corps humain qui prend de l'âge selon. On est un corps humain avec une étincelle divine. Cette étincelle divine, elle est là pour nous guider. Si on n'avait pas d'étincelle divine, on n'aurait pas de conscience. On serait même pas comme les animaux, parce que les animaux, eux, même si elle n'est pas grande, ils ont une conscience. Ils savent ce que c'est que de la tendresse, ils savent ce que c'est que la tristesse, ils savent ce que c'est que de la peur. Donc, ils ont une conscience. Donc, il n'y a rien sur Terre qui n'ait pas de conscience. D'accord? On ne peut pas dire tout être vivant. On peut dire que quelques exceptions mises à part ont une conscience. Et à partir du moment où on a une conscience, on sait si on fait du bien ou si on fait du mal. Et à partir de là, de cette conscience que l'on a en nous, nous savons ce que nous voulons. Nous ne voulons plus de cette terre, pas ce monde, enfin le monde il est magnifique, c'est pas le problème, c'est pas un problème de monde, c'est la terre telle qu'elle est actuellement, les gens qui nous gouvernent, tout ça, c'est d'une hypocrisie et d'une lâcheté et d'un mensonge, mais c'est des mensonges énormes. Vous êtes loin de vous douter de tous les mensonges qui peuvent y avoir ici. Alors forcément, plus la lumière va augmenter, plus l'ombre va augmenter, plus la lumière va se faire brillante, plus l'ombre de son côté va nous jouer des sales tours pour que on n'aille pas vers la vraie lumière, parce que l'ombre aussi a une lumière pour nous mener dans l'erreur.
Alors souvent, il y en a, ils disent, oui, moi, je suis dans la lumière, moi, je fais ci, moi, à partir du moment où il y a, moi, je fais ci, moi, je fais ça, vous pouvez vous dire, celui-là, c'est bon, il s'est fait dominer par son ego, tranquille, à falloir qu'il se recadre. Bien sûr que l'ego est bon, il est bon, le mental, il est bon, mais comme avec modération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il vous emmène dans des endroits où vous ne voulez pas aller. Imaginez un chemin, je crois que je l'ai déjà fait sur la dernière vidéo, mais enfin, comme je perds un peu la tête, je vous le refais. Imaginez devant vous un chemin. Un chemin, vous l'imaginez comme vous voulez. Moi, j'aime bien la terre, donc c'est un chemin de terre. Voilà, un chemin de terre. J'ai mis deux murets, un de chaque côté, histoire que je suive bien mon chemin. À partir du moment où vous êtes sur votre chemin, que votre cœur dit que oui, effectivement, c'est ton chemin, tu dois le suivre. D'accord? Tout ce qui peut venir de l'extérieur, les faux prophètes, les faux messies, ceux qui disent moi je connais mieux que toi, ceux qui vous disent moi je fais, moi je sais, moi je si, moi je ça, viens avec moi, je vais t'aider, patati. Alors là, laissez tomber. Laissez tomber, bonjour à ceux qui arrivent. Laissez tomber parce que ils ne peuvent pas vous aider à partir du moment où ils ne connaissent pas votre passé. Votre chemin est tracé d'après votre passé. C'est votre passé, tout ce que vous avez vécu avant et qu'il faut maintenant vous débarrasser, qui fait que vous avez trouvé votre chemin, que vous avez trouvé par où il faut passer. Et si votre foi est assez forte et votre confiance assez forte, rien, mais je vous dis rien, que ce soit la plus belle chose au monde ou que ce soit un problème, mais le plus triste qui soit, rien ne pourra vous faire sortir de votre chemin, à moins que vous le décidiez. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez toujours dire, bah ouais, non, mais le chemin, là, après tout, casse les bonbons, c'est dur, il y a des pierres, il y a des cailloux, je tombe sans arrêt, je change de chemin. Vous pouvez, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous voulez. Mais dites-vous bien que si vous sortez de votre chemin, de toute façon, on est né à un point A et on s'en va sur un point B. Bon, là, vous avez votre chemin. De toute façon, dites-vous bien, si vous suivez votre chemin, ça risque de se passer relativement bien parce que vous n'avez plus besoin de le chercher vu que vous l'avez trouvé. Par contre, si vous le cherchez toujours, dites-vous bien que vous aurez, et même ceux qui l'ont trouvé, il y aura toujours, vous aurez toujours une pierre pour vous empêcher d'avancer. Pour vous mettre à l'épreuve? Peut-être. Est-ce que c'est pour vous dire bonjour Harmonie? Est-ce que c'est pour vous dire attends, on va voir, est-ce qu'elle est vraiment est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance à 100%? Dites-vous bien que votre âme qui est reliée à votre cœur, ils savent déjà ce que vous êtes en train d'apprendre, ils le savent déjà, et c'est pour ça qu'ils vous donnent des petits indices pour vous dire, tiens, c'est comme ça et c'est comme ça. Maintenant, vous aurez toujours, que vous soyez le plus croyant qui soit, le plus croyant qui soit, vous aurez toujours des embûches sur votre chemin. C'est comme ça. Et ces embûches-là, eh ben, il faut les passer, il faut les surmonter. Que ce soit un caillou, vous pouvez l'éviter. Si c'est un morceau, si c'est une branche, ben, vous la soulevez, vous la bougez. Si... Mais une fois que vous avez trouvé votre chemin, gardez-le. Gardez-le. J'ai l'impression d'être la maîtresse d'école qui vous dit 1 plus 1 égale 2, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Au contraire,
je suis pas là pour bonjour Emma, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis là, comme à chaque fois, pour vous dire mon chemin. Et donc je parle de mon cœur à votre cœur et vous dire comment j'ai trouvé mon chemin, de façon à ce que vous, ceux qui ne savent pas trop ou qui sont un peu perdus, puissent trouver le leur. Votre chemin, il est dans votre cœur. Si vous êtes relié à votre cœur, vous trouverez votre chemin. Vous l'imaginez comme vous voulez, c'est vous qui l'imaginez. Moi, je l'imagine comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Vous êtes créateur de votre, vous êtes co-créateur de votre vie. Ne l'oubliez jamais. On a tendance à oublier ça. Ne l'oubliez jamais. Si on est dans la merde actuelle, excusez-moi le gros mot, mais on ne peut pas. Hein? Si on est dans la merde actuelle, c'est qu'on a été embobiné et que l'on s'est détaché de notre soi, de notre cœur. On s'est détaché de notre cœur. On s'est senti désespéré, seul, abandonné. Donc on s'est dit, il n'y a qu'une personne qui va pouvoir nous aider. Cette personne, c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et c'est le maire, le préfet, le président. Ta, rien du tout. Pas de rien, pas de préfet, pas de maire, pas de président, rien du tout. Quand vous aurez compris que vous êtes cette étincelle divine que vous attendez, c'est vous qui l'avez, eh bien, tout va changer autour de vous. Vous allez changer et les choses vont changer parce que vous ne les verrez plus de la même façon. Et ça va être compliqué hein, parce que vous allez. Il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous parce que vous allez changer. Il y a d'autres qui vont venir parce que. On dit souvent que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et c'est vrai aussi. Donc, vous allez changer. Et c'est lorsque vous vous rendez compte que votre corps. Moi, j'avais un trou. J'avais un trou. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne l'ai plus, ce trou. Je ne l'ai plus. Il est rempli. Il est rempli de joie, de bonheur, d'amour, de tout. Il est rempli. On se sent libre, on se sent. Presque bientôt, on aurait des ailes pour s'envoler, tellement on se sent bien. On se sent en connexion avec là-haut. Et c'est juste merveilleux. C'est un bonheur merveilleux. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. Vraiment. Maintenant, ça s'est pas fait en une seule fois. Hein. Ça s'est passé, ça s'est fait. Ça fait 7 ans que je rame quand même. Et encore, je n'en suis qu'à l'apprentissage, qu'au début. Néanmoins, j'avance. Donc tout ça pour vous dire que n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne vous aider. Personne ne viendra vous aider à part vous-même. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous aider vous-même. On peut vous soutenir, on peut vous tendre la main, on peut vous conseiller, mais la seule personne qui est capable de co-créer sa vie, de co-créer son existence, qui est capable d'imaginer la vie qu'elle veut, la vie qu'elle veut vivre dans le futur, quand ce monde se sera écroulé, enfin quand cette terre se sera écroulée. La personne qui veut et qui. La seule personne qui peut, c'est vous. C'est vous. Et plus de personnes en prendront conscience, et plus de personnes se réuniront, feront des petits groupes. Pour parler, de dire, bah oui, tiens, je ressens ça, et puis moi je ressens ça, et puis moi je ressens ça. Et puis là, ça fait. Parce que à partir du moment où on ressent ça, on ressent moins le négatif. Bien sûr qu'il est là le négatif, forcément, ça serait trop facile sinon. Mais on ressent moins le négatif, on ressent plus le positif, et donc la lumière jaillit davantage. Et quand on a des groupes comme ça, et ben, c'est la lumière qui jaillit. Et là, oui, on pourra créer un monde tel qu'on le souhaite. Voilà. Alors, je sais pas. Pardon, excusez-moi. Je sais pas si j'ai été assez claire.
Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'avais envie de vous dire, de vous faire comprendre, parce que c'est vraiment très important. Ne cherchez rien ailleurs, cherchez en vous. Voilà. Je peux toujours répondre à vos questions, plus en écrivant, plus simplement. Et bonjour à vous qui arrivez. Fatima, bonjour. Je peux toujours vous aider, vous pouvez toujours me poser des questions, mais je vais m'arrêter là parce que, après, je ne vais pas vous donner quand même toutes mes astuces, hein, ça sera tout simple, hein, chacun les siennes, hein, chacun sa vie, chacun ses astuces, et donc c'est à vous de chercher, voilà, c'est à vous de chercher. Sachez seulement que c'est en vous, donc cherchez en vous, pas à l'extérieur. En vous, voilà. Donc, comme cette vidéo va passer sur YouTube, et si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker en bas, si elle vous a plu, hein. Likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, moi, je vous dis très bonne soirée et une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bye.